à vos épées. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 6 verset 17 que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Aujourd'hui, je me présente toujours avec mon épée, mais nous ne nous battons pas avec l'épée physique. Non, nous nous battons avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est le meilleur remède face à la dépression, face à la mort. La parole de Dieu est vraiment le meilleur remède face à toute parole méchante que vous avez entendue, face à tout rejet, tout ce qui est venu pour blesser votre cœur. La parole de Dieu est le meilleur remède. Alléluia! Je vous invite, je vous encourage à la lire, car premièrement, vous pouvez la lire sans retenue, c'est un trésor inépuisable. Et deuxièmement, la parole de Dieu est vraiment la réponse à toute question sur votre existence. Elle est tellement riche, elle est tellement paisible, elle vous accordera une vie victorieuse. Amen. La parole de Dieu, elle rend fort. Elle rend victorieux parce qu'elle est la source de la vie et parce qu'elle réjouit notre âme. Alléluia! Et ce que Dieu désire, c'est que sa parole vraiment impacte votre esprit. Ce que Dieu désire aujourd'hui, c'est que vraiment sa parole soit en votre esprit. Alors si vous refusez la Bible, si vous refusez de lire la parole de Dieu, c'est que vous refusez Dieu. Je vous invite vraiment à vous rapprocher du cœur de Dieu, à prendre votre épée, à votre épée, bien sûr, la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine.